incroyable. Alan Wake est parmi nous. Alan Wake, l'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps. Il est ici pour nous parler de son dernier livre. Oh, oh. Et comme toujours, notre fétiche des Old Gods of Asgard sont ici. À vous de mettre le feu, cher Mickey. J'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. Oh. La mission était-elle passée? Était-ce une rediffusion? Je peux faire mon intro? Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans la taverne. C'était nul à chier. Attendez. Ok. Ça va être ce que je pense. La télé semblait m'attirer. J'avais besoin de toucher l'écran. Tu sais qui aille. Petite musique en fond, j'ai ma petite citronnade. Splendide, c'était dégueulasse, ça c'est. Alan, content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman. Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur... Je l'écrirai si. Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mm-hmm. Ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrai si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'ait été écrit par votre double maléfique. Oh, si seulement. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta, tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Ouais. Dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. Okay. L'histoire se passe à New York, mais... Peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double sépulcral et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. Ah. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement. Ouais, mais on veut jouer, nous. La structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre, fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes, c'est très intéressant. Des notes pour... L'autre, Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Hein? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Quoi? Waouh! J'avoue que j'arrive plus à suivre. Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Mais
Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview. Quoi ? Nous, on est déjà sur Return. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Hein ? Ouais, oh, ça part en couille. Oula, Putain, mais je répète à le dire que le jeu est vraiment beau et intrigant. Ouais. Ouais. Pardon. Par contre, j'ai pas de lampe torche. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi, près d'Alice. Mais Alice n'est pas morte. Alice est morte dans le premier. Il y a un truc que je comprends pas là. Le faux public. Qu'est-ce que c'était que cette interview ? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. Pas par là. Par contre, vraiment, s'il y a des possédés qui arrivent, je suis dans la merde. Ouh ! Ce nom était familier. Ah, ouais, ouais. T'as, quand j'entends ce nom, moi j'ai la musique en tête. Vous allez peut-être comprendre dans cet épisode pourquoi. Neighbor of the Beast. Ah putain, 666, The Number of the Beast, mais là c'est The Number, The Neighbor of the Beast. Le village de la bête. Monsieur Dor, Monsieur Porte. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce Monsieur Porte. Putain, ils ont fait la traduction en français. Ça donne un côté drôle. Quoi ? Interprétation de Many World. Ok. C'est tout. Même ça pue un peu du cul. Allez, on se casse. Attends. Si c'est ça, je suis... Oh, merci. Merci, le jeu, de nous donner des indices sur les murs. C'est magnifique. J'aime quand tu dois chercher un petit peu. Bon, je l'ai vu tout de suite. Ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi ? Ouais, c'est chelou. Impossible de le savoir. Merde, je pensais revenir vers la télé, mais elle s'est éteinte. Ça pue du cul, hein. Ah, par contre, la petite animation du fait qu'il tient une lampe, c'était pas trop top, là, pour le coup. Ouah, c'est pas grave, Alan Wake, il y a des petites erreurs bien sympathiques. Je devais sortir. Eh ben, sortons. Voilà. Stage. C'est jamais ouvre tout, ouais. Désolé pour le petit écho, je n'ai pas mon casque, donc... En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. D'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir. J'en ai d'accord. Il y a deux intrigues. Il y a deux palais mentales. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. C'est comme s'il y avait deux palais mentaux en fait. Plan d'intrigue. Se remettre à écrire. Ok. Je peux pas sortir. Ah.
Alors, se remettre... Attendez. Le plan d'intrigue. Je devais écrire plus. Alors, lors de l'émission, je me croyais de retour à New York, mais quelque chose clochait. J'étais piégé dans l'entre-noir d'un cauchemar au-delà de notre monde. La pièce de l'écrivain était mon abri. Mon écriture influait sur l'extérieur. J'essayais d'écrire une histoire afin d'échapper à cet endroit. Elle l'appelait Initiation. Grâce à l'histoire que j'écrivais, je me projetais pour trouver un moyen de fuir. J'avais essayé tant de fois, et échoué. Cet endroit gommait mes souvenirs. Tout ce que Porte avait dit, ce n'est vrai, putain, mais non, ils l'ont vraiment appelé Porte. Partout. Alors, on va se remettre à écrire, ok. Pour l'instant, c'est un petit peu long. Bah, après, c'est Alan Wake, il y a beaucoup de... Ça mélange l'intrigue et l'action. C'est ça que j'aime bien dans Alan Wake. J'avais peu de souvenirs. Ouf, alors ce n'est pas moi qui c'est mon verre. L'idée pouvait devenir réalité dans cet entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce. Comme un plongeur sous-marin qui explore la profondeur de cette prison à la recherche d'une issue. Je vais même pas avoir fini le... L'écriture est tellement filant. Ma vidéo, j'aurais terminé mon verre. Non. Hein? On est... Merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Eh oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake. Alors, ça me fume un petit peu parce que Sam Lake, c'est le créateur du jeu. Il s'est inclus dans son propre... C'est un putain de génie. Il s'inclut dans son propre jeu. Non, on n'est pas parti sur un tour. Ah, oui, bah voilà, je vous présente Sam Lake, le créateur d'Alan Wake. Désolé, quoi ? Oui. J'ai conscience que la question est délicate, puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? Oh putain, mais c'est... Mais what? C'est what the fuck? C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc ce monsieur Sam Lake, qui est le créateur d'Alan Wake, ainsi que de Control et de Max Payne, messieurs dames. Réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Et Sam Lake, qui est son vrai nom. Le distinguo pour les films, ils ont fait des choix différents des miens, et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Ah ouais. Voici la bande-annonce du dernier film, Murder Case Casey. On regarde où vous voulez d'abord dire un mot, Sam. Non, vous pouvez y aller. Je comprends plus rien, là. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mais c'est le truc de Max Payne. Mon propre reflet entend la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop! Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Ça commence à tourner en bourrique, là. Ah, je me... Putain, mais je suis encore sur le plateau! Cette fois, on se barre. Je me casse.
Ouais, c'est exactement le même endroit, hein. Si, si. Par contre, ça clignotait pas tout à l'heure. Est-ce que c'est le même livre qui est ici? Exactement le même livre. Six, six, cinq. Hein? C'est pas le même code que tout à l'heure. Attends, vous donne ma gueule. Cinq, six, cinq. Si on cinq, six, cinq. Bien, 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 bien. Donc le code a changé, nous sommes pas dans le même... dans le même truc. La télé se rallume pas? Ok, nous sommes pas dans le même plan. On doit être sur un autre plan. Ça, tout à l'heure, c'est entrouvert, c'était pas ouvert en entier. Ok. Oh. Bonjour. Tout à l'heure, j'ai tombé sur l'oracle de Matrix, tu vas voir. Il y a un truc dans les chiottes. Forcément. Non? Que dalle? Ok. Ah. J'ai cru dans un truc. Bon, le coup, la tête du conscient. Dieu merci. Quoi? Voilà. Oh, comme quoi il n'y a jamais de mal sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Content de vous voir. T'es chelou, toi. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. Arrête de m'appeler Tom. Quoi? J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a des cuisiniers, et pire sera la soupe. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux, Tom. Vous pigez, et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte aux chaussures, au sous-sol où vous l'avez laissé. Mais je comprends pas du tout. Sûr comme la poche du Seigneur. Voici la clé. Ouais, toi, tu fumes un petit peu de trop. Ok, clé du concierge. J'essaie de trouver un moyen de quitter l'entre-noir. Vous pourriez m'aider? Seul lui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes. C'est difficile de sortir, mais pas d'inquiétude, Tom. La maison est toujours là. Ah, ne m'appelle Tom! Je pense beaucoup à ça, en lavant le sol et en regardant. Et il faut fermer la porte, il est chelou. L'eau est la mémoire du monde, l'eau trouve son chemin. Ok. Donc le sous-sol, il m'a dit. Bon, alors on doit trouver une boîte à chaussures, hein, c'est ce qu'il a dit. J'ai déjà la carte, donc ça on s'en fout un petit peu.
fait chelou ton sol. Donc, une boîte à chaussures. Il y a une lampe torche là-bas, non? Je sais pas, il y a comme une lumière. Pourquoi on dirait une tête de cochon? Ouais, oh, ça se met bien par contre dans le sous-sol là, les gars. Tranquille. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. C'était ça que le concierge m'avait laissé. What? Mais c'est la lampe en forme d'ange. La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Ouais, enfin, il y a un fil au bout qui est coupé, mais c'est pas grave. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus. Wow! Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Une voix s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. What? L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. C'est très chelou ce machin. Est-ce que je suis revenu... Ah ouais, je suis revenu à la tête de porc. Je sentis un autre élan dans la lampe. Je pouvais la... Ma lampe s'éteignit alors. Ouais. Sa lueur rejoignant la lampe de la pièce. La lumière bâtissait quelque chose dans le noir. Mais il n'y a rien derrière cette porte. À moins que... Wow, ça part en cacahuète chelou, là. Maintenant, je peux accéder à ça. Ok. Je peux faire ça sur toutes les lumières, bouger mon chemin, là. Apparemment, non. Ça change que sur le plan dans lequel je suis. Attends. Si je fais ça, mais que je ressors... Quoi? Mais mes couilles sur ton front, il y a une porte ici, je peux pas la... Oh là, c'est très étrange tout ça. Ah, du coup, le plan, il sert à quoi? Parce que s'il y a plusieurs plans astral, aucune charge. Le sol dont avait parlé le concierge. Faut que je récupère la lumière là-bas, dans ce cas-là. Un peu chelou. Mais je crois qu'il n'y avait pas ce coin-là quand j'ai pris la charge. Attends, je vais tenter. Je récupère ma petite lampe. Ah si, il y avait bien un couloir, ok. L'entre-noir veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant. Celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Irréel. Et on ne peut plus réel.
Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit, transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'ai créé pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois. Effectivement, c'est un peu chelou quand même. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées pour former une porte. Mais comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un, d'un lac qui n'en est pas un. Quoi? C'est déjà la fin? Un scandale! Ah ouais, c'est très étrange. Petite sauvegarde rapide. Petite sauvegarde rapide. Mais est-ce que ça m'a mis sur le même plan? Alors, si vous regardez bien, là je me retourne. Ah non, elle est centrale. Ok. Donc, en théorie, la porte disparaît. Attends. Ça veut dire que d'un plan à l'autre, je peux faire des transferts? C'est un peu étrange. Ça fonctionne bizarrement. Mais ok. Bon, il s'est pas passé grand chose. Oh là 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 là, c'est joli. Le téléphone sonnait. D'instinct, je sus que c'était pour moi. En même temps, Allô? Alan Wake. Oui. Vous savez qui je suis? Non. Non? Qui êtes-vous? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Des ombres. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation? Alan, écoutez-moi attentivement. Moi, ouais, je t'écoute. Station Caldera Street. Le métro. Ok. Vous devez vous y rendre. Ok. Je vous rappellerai plus tard. Ok. Ok. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. On est pour ce front. Je vous entends plus. Allô? Allô? Ah, il avait plus de pièces. Malheureusement. Ok, je le passe. Caldera Station. Ok. L'homme avait dit, station Caldera Street, je devais m'y rendre. L'entre-noir. Donc en fait, l'entre-noir, c'est juste un espèce de hub interdimensionnel. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Closed case. Ah, mais sur le délai case, ça. Ok. Eh ben écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour cette vidéo. Il y a pas eu beaucoup d'action. On a plus eu des moments par rapport à l'intrigue. Puis voilà, quoi. Hard case. J'adore. Ouais, on a plus eu des moments par rapport à l'intrigue, donc à voir ce que ça donne plus tard. Donc pour l'instant, on va s'arrêter. Je suis sorti d'où, j'aimerais bien retourner sauvegarder. Ah voilà, j'étais par là. C'est vrai qu'il y a des ombres partout. Ouais, je vais rester là pour sauvegarder tranquillou. Eh bien, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Enfin, courte vidéo, non, elle fait plus, bientôt une heure. Je m'excuse, il n'y a pas eu beaucoup d'action, hein, je ne connais pas le jeu, je ne me suis pas spoilé, donc je peux pas dire, bah tiens, là, il y a plus d'action, j'ai filmé ça, non, je filme vraiment en brut.
On se laisse sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à me donner de la thune. Enfin, faire en sorte que j'ai de la thune. Hein, on aime tous le pognon. Tous. J'ai dit on aime tous le pognon. J'ai dit tous. N'hésitez pas à vous accouder au comptoir et à lever votre verre vers le ciel. Et je vous dis à la prochaine dans la taverne, mes petits vikings. Allez, skål mes truffes.